Et toi, tu veux pas qu'on te prenne un Kimar, c'est ça? Ouais, tu veux faire 100, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer comme team? On va voir. En fait, t'as une belle blessing, mais le problème, c'est que c'est nul. Ce champion-là est nul. Kalvalak, ça peut être. Ninja, qui peut être intéressant. Par contre, il se booste à 1, donc ça va être un peu chiant à mettre, mais t'as quand même 3 étoiles. On a 3 aussi sur Artak. Akrisia, on oublie parce que ton tank il va avoir trop de dégâts crit. T'as pas des épiques, des poisonneurs épiques avec de la grosse grosse blessing? Après, s'il est en un plat, ça va. C'est quand même une belle blessing là. Hein. Il est en un plat. Je sais pas si ça fait fail l'implat. Peut-être pas. Hein. La feigne qui est sympa. Alors par contre là ça fait trop. Artak est peut-être pas obligatoire. Je pense que Ninja ça tape quand même. Ah oui non mais Ninja plus Artak c'est pas bon. Ninja plus. Plus Géo. Après Géo j'aime bien sa blessing quand même. Il te faut deux cleans. Déjà il te faut Mitrala. Déjà pour commencer il te faut Mitrala. Ça c'est sûr. Ensuite faut 2 DPS. Faut 3 DPS. Merde. Et en clean, ce que tu utilises pas, tu veux mettre qui? Non, Koss, le problème, c'est que il va prendre l'aggro. Et on veut pas qu'il prenne l'aggro. Whisir, t'avais dit. Ok, on part pour Whisir. C'est des teams de riches. Les teams avec des dégâts sur PV max. Des teams où t'as 50 000 Kimar ou des trucs comme ça en fait. Oui, sire. Déjà, la team, faudrait que je la. Ah, t'as Théodore! Putain, mais comment j'ai fait pour pas le voir? Théodore, attends, je te mets Théodore déjà, ça c'est sûr. Parce que Théodore, c'est juste trop fort. Même s'il a que 2 étoiles, c'est pas grave. Je te mets Théodore. Je te mets. Tu mets ton tank avec des dégâts crit. Oui, mais pas. Tu peux pas en mettre. On va pas en mettre 200 hein, de dégâts crit. Hein. On veut que ça prenne. Pas des stats. Faut qu'il puisse tanker derrière. Il peut faire la team Kimar, tu vois. Et le problème, c'est que son Kimar, il a pas envie de mettre de dégâts crit dessus. Donc c'est pour ça qu'on part sur une team différente. Alors j'avais dit Fane, c'était pas trop mal. Elle est là. Parce que t'as quand même 4 étoiles sur Fane. T'en as 2 là. Lui en plus il va tout faire péter, c'est pas mal. Je vais te mettre Whisir dans ta team, Mitrala aussi. Whisir et. Il te faut des étoiles hein, parce que là t'es à 2, 6, 8, 10. Il te faut des étoiles quand même. Le Géo il en a beaucoup, mais le problème c'est que t'as de la. Ah non, il n'y a pas de brûlure sur Fane. Ah bah on va mettre Géo, on va mettre Géo. Alors le cycle, on va tout voir après. Déjà, on va regarder un petit peu le. Déjà, le lead, j'ai fait de la merde. Le lead Mitrala sera mieux. Elle a un plus gros lead. Théodore, il est là. Fane, elle en contre-affi.
Ah putain, c'est vrai qu'il est bleu. Ah, même Théodore, on peut pas le mettre en fait. Ah, fait chier pour Théodore. Et fait chier pour Fane. Ça, c'est emmerdant. Ça, c'est emmerdant. Badel, il a qu'une étoile. En plus, ça te fait un clean supplémentaire, donc c'est pas mal, Badel. Il a combien d'étoiles ton Venimage? Il est où? T'as que 3 étoiles, hein. T'as combien d'étoiles ça? Après, à la place de Badel, je peux mettre Urogrim, t'as une étoile en plus. Alors, ça te fait 4. En plus, celle-là, elle compte pas. Non, ça t'en fait 5, 8, 9, 10, 11. C'est limite, hein. C'est limite, mais t'as 3 cleans. Donc en vrai, ça peut le faire. Je vais essayer ça en manuel déjà pour commencer. Voir comment on va cycler ça. Ah, par contre. Ah, si, il y a déjà le dégât crit dessus. Bah, c'est parfait ça. Ouais, y a pas la. On ouvrirait comme ça. Comme ça, là, on ferait ça. Bah, lui, peu importe. Ouais, il te manque la précision, hein, mais. Je regarde un peu niveau des speeds et tout, déjà. Je pense que c'est pas grave. Il a beaucoup de cleans dans sa team. Je pense que c'est pas grave. Par contre, ça doit hurler là, le son là pour vous là, non? Moi, ça me. Je sais pas pourquoi ce boss là il hurle. Bah, ça cleanse. Bon, ça devrait marcher, faut juste que je te rajoute de la précision. Le Venimage n'a pas de précis. Le Géo, il en a pas assez non plus. Mitra, elle joue toujours au bon moment, donc ça c'est bien. Bon, je vais lancer en auto, voir. Faut combien de précision pour ce boss? 500, 550, je crois. On va voir si on arrive à faire moins d'une minute. Aux alentours d'une minute, ça te fait une team en une minute, ça. C'est con hein, pour Théodore, c'est vrai que j'ai pas pensé, il est en contre-affi. Bon, là, ça a été déréglé, là. C'est pour ça qu'il faut qu'on cycle bien. Le cycle va être important. On va aller chercher la précision. Bon. Ok. Je sais pas pourquoi il hurle comme ça, ce boss. Alors, Théodore, il tape combien de fois? Il tape. Il tape à 1. Là, il tape ou pas? Là, peut-être. Là, il tape pas. Et là, il tape pas. Il tape pas sur. Il tape que à 1. Ouais, le problème, c'est qu'on pourra pas changer son stuff. Tu le joues ailleurs, je me doute. Badel, tu te joues pas. De toute façon, s'il est à poil, c'est que tu te joues pas ailleurs. Donc, Badel.
C'est là-dessus que t'as le plus de vitesse, je te mets ça. Tu peux stuff à l'arrache. Bon, parce qu'après, va falloir régler les speeds en fait. Une tête en broken. De toute façon, la précision, je pense qu'elle est bonne là. Les speeds, on verra ça après. Ensuite, on a. Géo. Géo, il a pas assez, hein. Avec une bannière précise, il a assez, mais sans la bannière précise, il a pas assez. Alors, je sais pas si tu veux lui laisser la résistance, parce que je me doute que tu joues sur leader celui-là. T'as pas un Géo que tu joues que sur. Que sur les jumeaux? Hop. J'ai pas regardé ta Wissir, elle est où? Elle est où, Mistinguette? Elle a 2 étoiles, si je me souviens bien. Donc elle doit être dans le coin. Elle est en chambre, non? Je sais pas pourquoi je la vois pas. Alors. On veut pas de vitesse. On veut qu'elle soit lente. Ça c'est bien. Ça c'est propre, hein. Il y a un peu de vitesse, mais. Sachant qu'elles sont montées 16 et qu'elles sont bien perfectionnées. C'est pas grave, alors un petit peu de vitesse quand même. Par contre, les bijouteries fraîches, ça fait tout merder. Je vais te les retirer. Sur les cleans, ça fait tout merder. Il faut tout le temps qu'ils cleans au moment où on veut, tu vois. Donc je te les retire. Que si ça dérègle, en gros, bah, ça sera pas un truc stable. Ça, c'est le genre de maîtrise qui peut casser les couilles aussi. On va voir si on peut faire si on peut faire avec. Le Badel, on l'avait fait. Le Géo, c'est bon. Le Badel, c'est bon. Wissir, c'est bon. Mitrala, normalement, c'est bon. Et il nous manque. Qu'est-ce qu'on a oublié? Bonne image. C'est con, Fane, hein. T'avais 4 étoiles. Hein. Bonne image. Au revoir le régène. Hein. Quoique, juste une bannière précise en vrai. Tu le joues quelque part ou pas, Venimage? Avec les 80 de Mitrala, je sais pas si c'est suffisant ça.
Là, normalement, c'est bon. Bon, on essaye ça. Yo, Viriat, comment vas-tu? Bon, le cycle. Le cycle, en fait, je suis obligé de voir comment. Déjà, ça, c'est sûr. Je pense que toi, tu peux faire ça en prio. Toi, on s'en fout. Ah, je vais le... Ah, maintenant qu'elle est très lente. Peut-être faire ça en premier. On va voir, on va essayer. Après on re-règle. Il faut régler. On va bien voir. Bientôt, bon moi ça va, écoute, hein. Ça va impeccable. Putain, si je l'ai first try, je suis fier de moi. Ah, toi tu cleans pas. Ah, toi tu cleans là, ça va. Ça va, c'est pas une horreur. Vas-y, là, les 3% là de Géo là. Bon, il y a eu un souci. Déjà la 2 de Mitra là on va la retirer. La 2 de Mitra là, il... Géo il s'est passé quoi là? Ouais c'était presque ça hein, déjà. Hein. Parfois, tu sais, faut changer une ouverture. Mitrala, ça a l'air pas mal. Après, c'est peut-être Badel. Peut-être qu'on va le faire ouvrir autrement. Mitrala c'est bon. Par contre Badel il est vraiment dans le même cycle que Mitrala. Du coup il sert pas. Au niveau du clean ça pourrait être un peu mieux. Sachant que t'as pas énormément d'étoiles. Par contre on se prend les 3% sur 3% ça c'est abusé. Hein. Yo Darko, ça va et toi? C'est là que ça merde.
Badel, il a cleanse trop tard, je pense. Je vais essayer de faire ouvrir Badel à 1. Full camp, toi. Ça va le dérégler de Mitra là et ça peut peut-être marcher. Mitra là, franchement, tous ces cleans, ils sont quand même au bon moment. Dis-moi, c'est faisable avec de Théo. Mais le problème de Théo, c'est qu'il est pas de la bonne affi. Je voulais le mettre aussi tout à l'heure, mais j'ai pensé après. Enfin, Mabi m'a fait penser qu'il était en contre-affi. Ah, Badel, il a pas cleanse là. Ah, tu cleanse trop tard là. Après, je crois que t'as des maîtrises qui viennent booster partout, je crois. Sur tous tes champions, je crois que t'en as. Et ça, on est obligé de les dégager parce qu'en fait, toutes les runs ne se ressemblent pas à cause de cette maîtrise. Parce qu'en gros, alors t'as qui? Déjà Vuissir. Déjà Vuissir, elle a ça. C'est gratuit. Y a qui d'autre dans la team? Y a Badel. Il ou Badel? Il a qu'une étoile. Est-ce qu'on met Badel en vrai? Ouais, c'est quand même bien Badel. Badel. Ça va, y a rien qui vient booster. On est bon. Ensuite, on a Géo. Géo, y a rien qui fait booster. On est bon. Venimage. Il y a ça. Je peux utiliser les 150 gemmes. Ok, on lui remettra des maîtrises après, mais c'est pas important en vrai. Après, peut-être pour la précis, attends, faut quand même que je lui rajoute de la précis. J'ai peur qu'il manque de précision. Il nous reste Mitra là. Il nous reste Mitra. Elle a rien qui booste. Ok, donc là on est bon. Là on est bon, là on peut faire des vrais tests. Alors j'avais l'impression que ça c'était pas ouf. Ce que j'ai envie d'essayer, c'est une ouverture là. Là, elle joue pas, donc elle fait pas monter.
Elle cligne pas là, putain. Ah! Alors, et du cleanse. Si elle avait cleanse là, c'était bon. Ah, ça se joue à que dalle, hein. Alors, je vais essayer autre chose avec elle. Je vais essayer. Ouverture à 1. Et je vais mettre la 2 en prio. De toute façon, il n'y a pas de. Si, il y a un truc qu'il faut que je vérifie. Il y a un truc que j'ai pas vérifié sur tes champions, c'est vrai. Là, on l'a pas. Là, on l'a pas. Wissir. Je crois que sur Wissir, tu l'as. Non, tu bah non, on a retiré. Et puis les autres, c'est pas des cleans, donc on s'en fout. Les autres, c'est pas grave. On réessaye ça. Donc elle va mettre un coup au début. Merci belle ce stuff en un plat, on est d'accord. Bah, si c'est pour l'hydre, oui, hein. Oui, pour l'hydre, oui. Lui cleans, impeccable. Toi tu fais A2, le tour d'après, quand lui va relancer son truc, elle va cleans et on est bon je crois. Et là elle cleans. Oh là là, qu'est-ce que je suis bon! Mais qu'est-ce qu'il est bon le taf! Qu'est-ce qu'il est bon le taf! Ah! Putain, je l'ai réussi en 2-2, hein, franchement, la team. Une 36. Et normalement, t'as pas de déréglage. Parce que. T'as pas de maîtrise qui font dérégler. Les maîtrises, tu mets ce que tu veux. Je sais pas ce que tu veux mettre dessus. Je te laisse les mettre. Surtout, prends rien qui booste la speed. Speed et compteur de tour. Je vais relancer des runs. Parce que je crois que t'as un passage qui est un petit peu dangereux. Je vais relancer quand même, voir si c'est safe. Je peux mettre Venimage en réflexe. Ça changera rien. Les DPS. Il y a un truc qui me fait peur avec l'implat de Géo. C'est que je crois qu'à un moment, il joue. Mais je crois que depuis qu'on a changé les maîtrises, il le fait plus. Il joue alors qu'il a le truc pour mettre des coups faibles. Et en fait, s'il fait de l'implat et qu'il le fait plein de fois, il peut faire monter le compteur. Mais je crois qu'il le fait plus. Je crois que c'est là. Non, c'est bon. Attends, je sais plus. Après, le réflexe sur les DPS, c'est pas dérangeant. Là c'est Badel. Voilà. Là en fait là il était pas sous truc donc c'est bon. Là c'est Wissir qui cleans. Voilà.
Bon, tu prends une paire de 3% quand même, hein. Après, par contre, quand ça va plus loin que ça, je sais pas ce qui se passe, hein. Parce que là, tout à l'heure, ça s'était fini déjà, hein. Donc, faut voir si derrière, il n'y a pas de problème. Badel cleans, c'est bon. Ah, il cleans pas. Il est mort. Il est quand même mort. Ouais, je sais pas si c'est safe. Est-ce que t'as assez de précision? Parce que j'ai l'impression que tu te fais beaucoup résiste, hein, aussi, hein. Il y a eu un truc bizarre là, non? C'est pas passé un truc bizarre? T'as vu, l'ordre il est plus pareil. Il y a encore une maîtrise qui traîne ou je sais pas. Y a un truc qui va pas. C'était déréglé. Attends, mais c'est pas possible. Faut que je vérifie les 7 aussi, mais... Y a rien qui booste la speed dans la team, hein. Y a un truc qui va pas. Un truc qui va pas, mais... L'ordre a changé, je sais pas pourquoi. Ils meurent pas les persos. Putain, il s'est passé quoi? Ça a merdé comme s'il y avait une maîtrise. Y a pas de réduc speed dans la team. Le compteur de tour, de toute façon, on peut pas le réduire. Y a un truc que je comprends pas là. Des grâces. Ah putain, c'est vrai que j'ai pas fait attention aux grâces. Ça serait sur un leg. Elle a quoi Ça non. Déjà moi je mettrais plutôt météore, mais sinon là il y a rien de. Ah putain. Ah bon. C'est ça. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que je te mets Météor, il faut de la précision, hein. Donc ça sert à rien, Météor, je pense. Je te mets cruauté. Ça te va, cruauté?
Et le mieux, c'est de mettre Météor sur Mitrala, par contre. Et ouais, c'est ça qui a fait des... c'est ça qui fait dérégler, en fait. Je pense. En fait, attends, ça fait quoi la chaîne temporelle? Parce que logiquement, c'est censé le faire tout le temps. Attends, je te change pas la grâce, hein, je veux juste regarder. Logiquement, il se met tout le temps le même nombre de buffs en face, non? Ah, mais après, peut-être qu'avec l'implat, le compteur il est pas élevé pareil, peut-être qu'il se met des buffs, je sais pas. On va réessayer du coup. C'est pas la nécropole, c'est le shogun. Je sais pas, j'ai pas. On a commencé par un beau 3%, c'était pas mal. Donc ça c'est normal qu'elle mette un coup au début, elle. Ça c'est tout à fait normal. Il se buff au moins le boss? À quel moment il se met un buff? Là c'est Badel, voilà. Là c'est Whisir. Donc là c'est comme ce qui s'est passé la première fois. Oh, ça m'a l'air correct, hein. Il y a juste Venimage qui joue une fois. Mais vu que lui il est pas en implat, c'est pas grave. Il va jouer une fois avec le truc. Et ça c'est pas dérangeant. T'as assez de blessing à chaque fois pour redescendre de toute façon. Voilà, bon, on a pris pas mal de 3%, on va voir si on arrive à aller plus loin du coup. En étant safe. Je veux pas crever.
Il veut pas crever. Ouais, avec les maîtrises en plus, je pense que c'est bon, ça le fait, hein. En vrai. 10 mètres de guerre, tout ça. Parce que si tu prends trop de 3%, à la fin, bah c'est plus réglé en fait. C'est réglé pour un certain nombre de tours. Mais à la toute fin, ça ne l'est plus. Du coup, là, je te mets un mètre de guerre. Après, surtout, prends pas ça. Hein. Bah, je vais te les mettre parce que... Je sais jamais. Bon, surtout pas contre-attaquer. Qu'est-ce que je lui mets? Pas prendre le bouc parce que ça peut être déréglé. On peut partir ici, hein. Défense. Attaque par coup crit. Ça se prend aussi. On va plutôt mettre des dégâts. Sont les trois autres, elles sont pas bonnes. Donc autant que je te mette peut-être celle-là. Ça t'accélère rien du tout. Le boss ne se soigne pas. Le reste. Le reste, c'est pas important. Le nuage. C'est sur Venimage qu'on a retiré les maîtrises, hein, aussi. Là. Tout le temps full life, hein. Ça, je pense que ça peut être bien. En vrai, le bouc, on peut le prendre, hein. Si tu mets pas de cette speed. De toute façon, là, ça va pas dérégler, hein. Régène immortel, ça va pas dérégler du tout. Si t'as envie de mettre ça, tu mets ça. On va prolonger un peu les debuffs. Les autres maîtrises, faut pas les prendre. Si tu peux prendre le buveur de vie, si t'as envie de prendre le buveur de vie. De toute façon, il y a que ça que tu peux prendre là. Le reste, ça te dérègle. Et là, il met pas de buff. Je sais pas si ça marche avec son A1, ça. Par défaut, je te la mets parce que les. Ça, c'est. Ça, de toute façon, on s'en fout. C'est ouais, celle-là, je veux dire. Ok. Il n'y avait pas Badel aussi qu'on a bougé?
Non, bah Dali, il est bon. Là, il y a eu beaucoup de météores aussi. Hein. Là, la RNG, elle était présente. On va même battre le record, je pense. Mais je voulais voir si, même avec une RNG pourrie, est-ce que c'est safe ou pas, quoi. Alors, si tu prends des 3%, que t'as pas de météores qui se mettent, ni rien. Bon, j'en fais une dernière, mais ça m'a l'air bon. Mais là, on a une bonne RNG, il y a la météore et tout. Les debuffs passent mieux, c'est bon. Ah mais ça c'est juste les 3% hein, quand les debuffs ils se mettent pas. Mais c'est vrai qu'on a rallongé le temps des poisons de venimage, ce qui fait que ça peut apporter un petit peu en plus. Le maître de guerre en plus sur deux persos. Ça apporte les petits dégâts qui manquent quoi. Enfin, qui peut manquer si t'as pas de chance. Ça te va, ma bille? Petite dernière pour la route. La petite dernière, normalement, elle faillit tout le temps. Vas-y, là, là, je parle, c'est quand même une petite dernière. J'ai pas envie de te filer un truc qui. Qui. Quand tu vas le faire de ton côté, ça va faillir une fois sur deux. Mais là, je pense que ça m'a l'air bon quand même. Là, il n'y a pas eu de RNG de ouf. Donc, on va voir. Il n'y a pas eu de météore, il n'y a pas eu tout ça. Il y a des 3% qui se mettent. Si ça merde, je ferai les correctifs, t'inquiète. Bah, y a rien à corriger à part les 3%, quoi. Surtout, ne bouge pas la speed, hein. La speed, elle est réglée parfaitement. Hein. Après, tu peux rajouter de la précis, tu peux rajouter un petit peu de dégâts. Fais gaffe quand tu rajoutes des dégâts crit, hein, ça peut changer l'aggro. Mais tu peux rajouter un petit peu de dégâts, tu peux rajouter des petits trucs à droite à gauche. Pour être un petit peu plus rapide, tout ça, quoi. Mais ça m'a l'air good. Bon bah je te rends ça. Je te rends ça. Ça m'a l'air pas mal.
Hop. Une bonne petite team. Et comme ça, on a pris que des persos dont tu te sers pas. Et puis Mitra là, on l'a pas touché, quoi.